Y a les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le portail de Vegetto Bluetech. Alors, un énorme portail qui est sorti pour la troisième partie de la célébration des mi-jours. On s'y attendait pas du tout. Il vient de rentrer de vacances là, il va repartir ce soir. Mais on attend de faire la petite vidéo. C'est pour ça aussi qu'en ce moment il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne. Hein. Vous inquiétez pas, ça va revenir petit à petit. Mais je tiens quand même à vous faire une petite vidéo par semaine. Donc sur le portail, on a les deux portails qui sont sortis. Je sais pas si j'en ferai une sur le Black Goku Rosé parce que je serai pas chez moi. Je pense que je pourrais pas trop me retenir d'invoquer. On verra bien, mais il y a très peu de chances. Donc sur le portail de Black Goku, hein, il est très bon aussi. J'aimerais bien voir le Omega et le Black Goku. Mais aujourd'hui, on va invoquer sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce portail? Ce portail, pour moi, c'est juste incroyable. Donc on a 100 DS, hein, c'est un peu les invocations de la Hesse. Je vais pas vous mentir. On espère avoir un petit top rentable, mais je pense que la promo des 3 multi une offerte va passer le temps que des DS arrivent, hein, tout simplement. D'ailleurs, la promo, elle est valable encore combien de temps? Elle est valable encore 97 heures, donc mettez un maximum de DS pendant le temps où vous avez la promo 3 multi gratuite. C'est vraiment super rentable. Là, on a la première multi à 10, donc on va tirer 3 persos. On a la deuxième à 20, où c'est 5 persos. Et on a la troisième à 40 où on a 10 persos et la gratuite derrière, donc on va pouvoir faire un cycle entier. Et ça c'est pas mal du tout, parce que avec 100 CDS c'est un peu la PLS. Donc on a le Vegetto Bluetech, énorme unité, je le kiffe, hein, tout simplement, il est excellent. Il booste son attaque à chaque fois qu'il part en spé, et il booste son attaque aussi à chaque fois qu'il met un coup. A savoir que sur son passif c'est capé à 150%, donc 150% max d'attaque sur son passif, et sur sa spé c'est infini, hein. Du coup si vous partez plein de fois en spé, ça va être n'importe quoi, il peut attaquer 4-3 fois par tour. C'est un monstre, c'est monstrueux, c'est un monstre, voilà, c'est tout, y a rien à dire de plus. On a le Guan Yu Team que j'ai pas, que je kifferais avoir aussi, je kiffe l'unité. Leader catégorie, qui sert bien pour le Broly Zetur, il me reste juste un level sur le Broly, je suis au level 30, faut que je le passe pour pouvoir le mettre level 140. D'ailleurs, j'attends la DS rouge, hein, pour pouvoir le prendre. Donc, excellente unité, boost de défense sur son passif, boost d'attaque, dégaiement, voilà, augmente l'attaque, excellent. Le Goku SSJ4. Alors, pour les anciens qui se souviennent, j'avais mis 850 DS sur le portail, dont 500-600 avec 3 multi, une offerte. Et je l'ai pas eu cet enfoiré, et je l'ai pas eu. Il me fuit depuis le début du jeu, je kifferais l'avoir. Après, c'est pas vraiment la carte que je veux plus, mais je kifferais de ouf l'avoir. Je suis frais de ouf l'avoir. La hype m'est passée un peu. On a le Goku SSJ3J que j'ai déjà. Un doublon, je prends volontiers. Excellente unité, Zetur. On peut le mettre jusqu'à SP15. Level 140. Un monstre. Le Gotenks SSJ3 que je kifferais avoir aussi. Je ne l'ai pas. J'ai une très bonne super end, je crois. Ouais, je dois avoir une. Enfin, je sais plus en fait. Je sais plus, mais je kifferais l'avoir en tout cas. J'adore l'unité. Le Beerus Tech que j'ai pas. C'est pas à ce qu'on vise. C'est pas ce qu'on vise. Le Trunks que j'ai pas non plus, c'est une nouvelle unité du détecteur. Donc c'est un tank et en même temps il augmente son attaque, je crois, en fonction des PV restants. C'est ça. Donc quand il est Dokkan, c'est dégâts encaissés réduits de 40%. Et moins t'as de PV, plus il a d'attaque. Et il booste sa défense de 30% à chaque fois qu'il part en SP. Donc très bonne unité aussi. Après c'est pas ce qu'on vise. Le Trunks Ikari, donc pour se farm l'aspé. Et le Guan Yu Team, Virus, voilà. Du coup, on est parti sur le petit portail. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, les frérots, pour soutenir. Et on commence avec la première multi à 10. Une, deux capsules. Une, trois capsules. Trois capsules, il se transforme. Bon. Faut chatter pour avoir quelque chose sur la multi à trois persos. D'ailleurs, j'ai vu plein de screens sur Twitter où les gens ils allaient dans plein de trucs première multi, Black Goku Rosé, etc. C'est un truc de ouf. J'espère que vous aurez de la chance vous aussi. Donc, on a fait la première multi qui est assez rapide. Hein. On relance. Franchement, si j'ai. Je serais en kiff si j'ai le VB. Mais bon, il y a pas mal d'unités dans le détecteur qui me font plaisir. 5 capsules arc-en-ciel, il y a peut-être quelque chose. SSJ1, SSJ2, pas de SSJ3, pas de SSR garantie. Alors, on commence avec un Oob. Sangoten GT.
Sangwan petit. Ah, chichi. Ok, d'accord. 5 capsules. Arc-en-ciel pour 7 Muti. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon. On va continuer, écoutez. On va continuer. La petite Muti. 1, 2, 3. 3 capsules. Ça sent pas très bon, les gars. 3 capsules, il se transforme. Bon, bah. Écoutez, peut-être que... Ah, SSJ3. SSJ3, peut-être une unité. On espère du détecteur. Donc, un petit virus qui sert à monter l'aspect. D'accord. D'ailleurs, très important, les virus, vous pouvez les docan de SR à SSR et après les passer en UR pour avoir 100% de chance de monter n'importe quel virus. Donc, c'est plutôt intéressant, sachant que c'est un SR payant. Tortue géniale, Krillin, Gohan, le petit Trunks du détecteur, Piccolo, un virus encore, Thomas, oui, un petit Gohan ultime, ça fait plaisir, le petit Gohan ultime qui tombe. Ah, nice, je suis content, nice, nice, ça c'est leader catégorie en 70 DS, c'est plutôt excellent ça, c'est plutôt pas mal. Ok, très content, très content, très content. C'est vrai que le leader, c'est pas celui que je vais utiliser le plus, mais c'est un leader catégorie. Excellent passif, excellente unité. Voilà quoi, y a rien à dire de plus. Hein. Spé farmable aussi. Bon, après, je sais pas si je vais la farmer, je vous dis la vérité. Parce qu'en ce moment, je crois pas que l'event soit dispo. Mais ouais, très content. Très content. Voilà, on a eu quelque chose, c'est déjà ça. Donc, la petite multi gratuite. La petite multi gratuite. Ouais, allez, let's go. La petite multi gratuite. 1, 2, 3, 4 capsules. Alors, les multi gratuites, généralement. Généralement, ça chie un peu dessus. Bye bye! Nice! Espérons que ça soit encore une unité du détecteur. Sachant que le détecteur, j'ai vraiment rien dedans. Ah, bon. Ah, c'est pas une unité du détecteur, mais je l'aime bien, mais... Ah, c'est pas une unité du détecteur. C'est pas une unité du détecteur. Bon, pourquoi pas, c'est une multi gratuite, on prend. On prend... On a encore de l'espoir qu'il y ait peut-être un deuxième dedans. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Très honnêtement... Pour le nombre de deaths que j'ai mis dedans pour l'instant, c'est... Oh, le troll, quoi. Ah, le troll. Ah, le sale troll. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'aurais la multi sans lui. J'aurais été content. Lui, il est venu me troll à la fin, les gars. Regardez-moi sa tête. Ah là 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 là. Bon, bah, écoutez, on va faire... On a fait déjà un cycle sur celui-là. On va commencer à faire les deux premières multi sur celui-ci. On sait jamais, hein, sur un malentendu. Ça peut fonctionner. Ah, ça tend sur la droite, ce qui est très mauvais. Ce qui est très mauvais. Mais très content d'avoir eu Gohan ultime. Très content d'avoir eu Gohan ultime. Très honnêtement. Ah, c'est 17 pour monter l'aspect. Dodo, rien. Bon. On va aller sur l'ultime. L'ultime multi. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un maximum de pouces bleus, les frérots. Pour envoyer de la luck, c'est parti. 1, 2, à 2 capsules. Relâcher Rainbow, Arc-en-Ciel, SSJ1 et SSJ2. Pas de SSJ3, pas de SSR garanti. Un petit Shenron. Pour monter l'aspect, pas mal. Sauzer. Daboula. Ah, Zamasu Aji. J'ai cru que c'était le hint à un moment. Ok. Bon. Bah écoutez, on a eu le Gohan. Assez content d'avoir le Gohan. Je vais regarder vite fait. Parce que je sais pas du tout la team que je peux faire avec en réalité. Je sais pas du tout la team que je peux faire avec. On va venir à la team du Radis. Hop. Sélectionner une catégorie, scène de sang mêlée, hop, hop, pour retirer, tac, alors, le beau gosse là, le Gotenks, ah ouais, ici, il y a pas mal de choses, ouh, ouais, il y a,
Y a de quoi faire, hein. Y a de quoi faire un truc pas dégueu. Ouais, y a de quoi faire un truc pas dégueu avec la pan là, le... Ouais, ok, d'accord. Nice. Ouais, y a de quoi faire un truc sympa. Ok, d'accord. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et un follow sur Twitter, etc. Tous les liens sont dans la description. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes invocations. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.